Bonsoir. Comme producteur, il faut tout faire, même présentateur, je pense. Bon, c'est pas très doué pour ça, mais de toute façon, c'est un plaisir d'être là pour cette avant-première du film de Jules Samali, Jeunesse. C'était vraiment pour moi aussi un défi, mais un vrai plaisir de produire ce film, d'amener jusqu'à là. Merci que vous soyez là. À partir de demain, le film appartient au public, c'est plus à nous. Et avant tout, je veux surtout appeler Julien Samani, me joindre. Julien. Sans vous ennuyer, déjà que oui, je suis très content que vous soyez là. Il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de gens très proches, il y a beaucoup de gens qui ont participé au film aussi. C'est un projet qui a mis du temps, que j'ai porté longtemps, et puis un jour, j'ai croisé la route de Paolo, et de façon très audacieuse, il a accepté l'ambition de ce projet. Donc vraiment, je ne le remercierai jamais assez de nous avoir donné à tous la chance de pouvoir faire ce film dans des conditions économiques très fragiles. Et c'était un risque, et voilà, il n'y a que Paolo pour prendre ce genre de risque. Donc c'est assez. C'est très. Très c'est super. Hein, voilà. Et puis alors, il y a d'autres, et tout le monde a commencé par les comédiens qui ont participé au film, qui ont accepté tous très rapidement. Alors ici, il y a, que j'aimerais voir avec moi, il y a M. Jean-François Stedelin. David Chour, alors. Et peut-être aussi, il y a eu plein de techniciens portugais qui ont participé à ce film, qui ne sont pas là ce soir, mais que je tiens quand même à remercier, parce qu'ils ont fait un travail vraiment très, très courageux. Et par contre, il y a un chef opérateur qui s'appelle Simon Beaufils, qui a tenu le film... Qui vient ici, parce qu'il a vraiment beaucoup aidé à faire le film. Elle a tenu le film à bras-le-corps. Emmanuel Solan, peut-être, tu peux venir. Emmanuel Solan. Je sais pas, je passe la parole peut-être à qui veut la prendre. J'ai envie de dire juste un petit truc. Profitant de sa présence ici, moi je connais Paolo, on le connaît depuis des années et des années. Il a, au point de vue, non, battu Roger Corman aux États-Unis, qui lui faisait des films en 4 jours. Il en a fait plus de 300, c'était l'an dernier de les honneurs de film. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'avec l'argent d'un film, lui en fait 15. Mais il n'y a que lui, il n'y a pas 50. Beaucoup d'autres choses.
chaude avec cette... Passion, cheval de course, d'endurance. Vous avez attendu comme ça. C'est la cavalcade permanente avec Paulo. Non, je veux surtout, moi, de mon côté, remercier vraiment les acteurs qui ont été formidables, qui ont accepté des conditions particulières, un tournage difficile, un tournage presque sans arrêt à la suite. Et donc, Kevin n'est pas ici avec nous, mais nous, ça a été aussi impressionnant la façon dont il a tenu le film, ainsi que Samir et Jean-François, et tous, et David, et tous. Une équipe formidable, une partie n'est pas là, ils sont très bien représentés ici. Si vous voulez, un producteur, c'est... n'a pas beaucoup de choses à faire sur un film, ou pratiquement rien. Moi, je ne suis même pas allé sur le tournage. Donc, si vous voulez, c'est surtout... C'était dur à comprendre, hein. Pour les gens qui ne connaissent pas, ouais. Paolo Bondonaz met tout ça à disposition. Il y a un truc, c'est presque... il ne va pas sur le tournage. Par contre, on l'appelle, il y a Berlin, Mexico, Rome et tout, pour le tournage. Non, parce que c'est vrai qu'il y avait... Et pour ça, il faut quand même qu'il y ait quelque chose entre eux, qu'il y ait un projet qui les tienne. Et un metteur en scène, même avec ses angoisses et tout ça, c'est quelqu'un qui, les gens, croient en lui. Donc, si tu veux, et c'est ça qui s'est passé. Et je pense que moi, je suis vraiment très fier d'avoir produit ce film et ce que vous allez voir. Donc, indépendamment de tout, je peux vous dire que pour moi, c'est vraiment c'est ça qui est important. Et c'est moi qui dois remercier tout le monde, encore une fois, d'avoir embarqué dans un projet qui n'était pas évident au départ. Merci beaucoup. Hein, merci à toi. Une personne essentielle au film, et vous vous rendrez compte assez rapidement, c'est le troisième auteur de ce film, c'est Ulysse Klotz, et je crois qu'il est là. Ben, tu viens, là, parce que c'est vraiment un travail. Il y a une femme, elle n'est pas là. Elle s'appelle Camille Paulet, mais elle n'est pas là. On l'a pas invité. Enfin, elle m'envoie un texto pour me dire qu'elle ne pourrait pas venir. Donc, voilà, Ulysse Klotz qui a fait la musique du film. Je pense qu'on peut lancer la projection. Et... Je voudrais simplement annoncer qu'il y a un petit cocktail à la fin du film. Donc, on se retrouve tous là. On attendra vos réactions. Voilà, bah, bonne projection à tous. Merci. Thomas Télévis.